La vie n'est pas une course, mais c'est là où vous vous retrouvez qui définira ce que vous devez en faire de la vie. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler de quatre choses que vous devez essentiellement connaître si vous voulez réussir à bâtir votre empire, si vous voulez réussir à atteindre votre rêve, à réaliser vos objectifs. Réussir sa vie, réussir son chemin, sa mission sur terre passe par énormément de choses. On peut dire souvent que tout chemin mène à Rome. Peut-être que la manière dont on le fait, c'est cette manière qui est différente. Dans cette vidéo, j'ai regroupé quatre choses essentielles que vous devez connaître obligatoirement si vous voulez aller loin dans votre vie, si vous voulez vous détacher des difficultés, si vous voulez savoir que les situations qui vont venir dans votre vie d'une manière ou d'une autre ne sont pas des situations éternelles, mais ce sont des chemins par lesquels vous devez forcément passer pour aller au bon port. La quatrième chose pour moi est la chose capitale, la chose essentielle. Donc regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour découvrir également la quatrième chose et partagez surtout la vidéo si vous êtes ici, partagez la vidéo. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous également à la chaîne afin de permettre à d'autres personnes de nous découvrir pour bénéficier de ces secrets que nous partageons ici. Parce que sur cette chaîne, nous parlons de business, nous parlons d'investissement, nous parlons de crypto-actifs, nous parlons de blockchain, nous parlons de coaching, nous parlons de santé, nous parlons de quantique. Et si nous avons réuni tout ça pour en parler ici, c'est parce que nous savons que l'homme, de façon générale, a besoin de trois grandes choses. Nous avons la santé, nous avons la richesse et nous avons le bonheur. Je sais que toi aussi tu aimes ces choses, alors aide-nous à faire découvrir ça également à d'autres personnes, tout ce que nous partageons ici. La première des choses que vous devez savoir, la première des choses sur laquelle vous devez mener vos recherches au quotidien, vous devez vous poser des questions sur elle au quotidien, c'est la vie. La vie est ce que vous en faites. C'est la fine dans votre âme. Si vous continuez à les cacher au monde, vous ne saurez jamais qui verra le meilleur en vous et se tiendra à votre côté pendant les tempêtes. La vie, c'est une fine. C'est une fine qui est dans votre âme. Et vous ne pouvez pas cacher ça au monde pour s'attendre à des grands résultats, pour s'attendre à de meilleurs résultats, pour s'attendre à ce que le monde vous découvre malgré que vous l'avez caché dans votre cœur. Ça ne se passe pas comme ça. Vous devez vous lever et continuer à briller comme le soleil. Vous devez vous lever et continuer à vous battre. Vous devez vous lever et briller, vous révéler au monde votre potentialité. Vous devez vous réveiller pour que cette vie qui se trouve à l'intérieur de vous, qui se trouve, qui est une fine de votre âme, qui est dans votre âme, soit révélée au monde entier pour que vous puissiez démontrer concrètement ce à quoi ça ressemble. C'est ça la vie. La deuxième des choses que vous devez savoir, c'est les autres. En réalité, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent jamais à atteindre les rêves, à réaliser les objectifs, parce qu'ils pensent que c'est les autres qui doivent les faire à leur place, parce qu'ils pensent que c'est les autres qui vont apporter telle ou telle chose pour eux, parce qu'ils pensent qu'ils ont des limites, parce qu'ils ne savent pas que tout est avec eux et c'est à eux maintenant de faire réaliser ce qu'ils doivent réaliser. Ne vous arrêtez pas pour les autres. Ne vous arrêtez pour les autres. Certains resteront, d'autres partiront. Rappelez-vous toujours que ces personnes autour de vous ne définissent pas qui vous êtes. Laissez-les rester. Ceux qui voudront, ils vont rester. Et ceux qui voudront, ils vont partir. Laissez-les rester ou laissez-les partir. N'oubliez jamais que vous devez aimer qui vous êtes. Et ceux qui aiment le vrai vous sont faits pour vous. Vous devez comprendre ça et bâtir votre vie avec ces idées. La troisième chose que vous devez connaître, c'est votre vérité. Lorsque vous connaissez votre vérité, vous savez ce que vous méritez, vous savez ce qui est le mieux pour vous, alors vous n'aurez plus peur de quoi que ce soit. N'ayez pas peur de tout avoir.
Il est temps d'être le vrai vous et de découvrir qui vous êtes. Il est temps d'être le vrai vous et de savoir le chemin qui vous est réservé. La quatrième chose, qui est la dernière chose que je disais très principale pour moi, c'est votre chemin. Prenez votre propre chemin et voyez qui marche avec vous. Les bons viendront. Vous êtes né pour vous démarquer. Alors, qu'est-ce que vous entendez? Lorsque vous vous rendez compte que vous êtes unique en son genre, personne ne peut obscurcir votre lumière. Personne ne peut rendre sombre votre lumière. Certains resteront, d'autres partiront. Souvenez-vous toujours qu'ils ne définissent pas qui vous êtes. Laissez-les rester, laissez-les partir. N'oubliez jamais que vous devez vous aimer vous-même. Vous devez vous aimer, vous devez aimer qui vous êtes. Travaillez, battez-vous, continuez à réfléchir. Du jour au lendemain, vous allez trouver les bons résultats. Et bien voilà, chers amis, les quatre choses que je voudrais partager avec vous dans cette courte vidéo. Aimez la vidéo, partagez-la et si vous l'avez surtout apprécié, laissez-en un commentaire afin que nous puissions voir ce qui vous a plu le plus dans cette vidéo. On se dit à la prochaine vidéo.